Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment déplacer les épaules du cheval en main puis en selle. Oui, car pouvoir déplacer les épaules indépendamment des hanches permet d'affiner le contrôle de la direction. Exactement. Cela ouvre par la suite de nouvelles perspectives de déplacements latéraux. Eh bien, c'est parti. Pour déplacer les épaules vers la droite à pied, placez-vous à droite, à mi-encolure de votre cheval. En tenant la reine intérieure, décalez votre main légèrement vers l'avant et dans la direction vers laquelle vous voulez déplacer les épaules. Simultanément, placez votre main sur l'épaule et agissez par action discontinue et d'intensité progressive. Dès que vous obtenez un premier pas, cessez d'agir et caressez. Recommencez progressivement jusqu'à obtenir un demi-tour. Pour déplacer les épaules à cheval, entrez dans le dispositif. Votre cheval est au pas, disponible et actif. Redressez-vous pour ralentir en maintenant l'activité avec les deux jambes à la sangle. Orientez votre regard et vos épaules dans la direction souhaitée et emmenez franchement les épaules avec le couloir des rênes. Contrôlez les hanches avec votre jambe isolée extérieure. À l'issue de l'exercice, marchez droit et repartez dans le mouvement en avant. En résumé, pour déplacer les épaules à pied, placez-vous à mi-hauteur de l'encolure. Poussez l'épaule avec votre main en donnant la direction avec la reine. Et pour déplacer les épaules à cheval, contrôlez la vitesse et maintenez l'activité. Déplacez les épaules avec le couloir des rênes en gardant votre cheval droit. Cédez. Et vérifiez après l'exercice que votre cheval est bien dans le mouvement en avant. Soyez à l'écoute de votre cheval et exercez-vous. Bientôt, pour déplacer les épaules de votre cheval, il vous suffira d'y penser. Décidément, le cheval, c'est trop génial.